Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau quintet. Alors avant ça, on va revenir sur le quintet d'aujourd'hui. Mercredi 8 décembre, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 1. Le départ a lieu à 13h55 sur l'Autostar, 2100 mètres. Il y avait 15 partants sur la grande piste, corde à gauche. Dans ma sélection, je vais vous donner le 10, le 9, le 10, le 5, le 15, le 3, le 2 et en cas de non partant, le 4. Donc là, c'était catastrophe. On avait le 9 et le 2. Le 9 gagne. Mais ce n'était pas fameux aujourd'hui. Hein. Franchement, l'arrivée était le 9, le 7 à très grosse côte, le 2, le 4 et le 12. On va partir sur un quintet demain où je suis plus confiant. Ce sera le jeudi 9 décembre. Ce sera à Vincennes, Réunion 1, course 1. Sur 2100 mètres, il y aura 15 partants sur la grande piste. Et ça sera l'Autostar corde à gauche. Donc dans ma sélection, je vous ai mis le 13 Victor Ferme de Christophe Martens. Je vous ai mis le 8 Ammonio SM de Mathieu Abrivard. Je vous ai mis le 5 Ferrywood de Alexandre Abrivard. Le 2 Élie de Beaufort de Lagaduc. Je vous ai mis le 6 Kalina de Nicolas Bazir. Le 3 Will Love de Pratt, le 1 Fedo Seven de Franck Nivard et le 9 Mister F Dag de Becker. Et en cas de non partant, je vous ai mis le 4 Brio Madric de Léo Abrivard. Donc mes trois chevaux que je vois bien, ce sera le 13, 8 et 5. Voilà, moi je partirai avec 13, 8, 5. Je ferai tourner mes bases et je ferai soit un champ total ou soit le reste de ma sélection. Après, c'est vous. Comme vous voulez, vous jouez avec vos chevaux, vos bases. Et si vous voulez mettre le reste de ma sélection derrière, vous pouvez. C'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, moi, je partirai avec le 13, 8 et 5. Voilà les amis, j'espère que demain, on va aller revoir la tête du caissier. Je suis assez confiant demain avec un indice de confiance de 4 sur 5. On verra bien. Les courses avant, c'est très compliqué. Et après, comme on dit, c'est toujours facile de dire. Oui, on l'aurait eu si on aurait joué les bons chevaux. Bon voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.